m'appelle Chabot Antoine, j'ai 24 ans. Je viens de La Rochelle, en Nouvelle-Aquitaine, dans le sud-ouest de la France. Mes missions principales donc, au club sont responsable de la catégorie U10 et entraîneur adjoint sur la catégorie U15 avec William Correa. Donc, j'ai rejoint QRM dans un premier temps parce que c'est lié à mon parcours scolaire. Donc j'ai terminé ma licence il y a 2 ans et cette année je voulais continuer sur un master dont la spécificité pardon, est seulement à Rouen, liée à l'analyse vidéo. Donc du coup j'ai voulu venir à Rouen et chercher un club de foot pour continuer mon parcours d'entraîneur. Donc ça m'a apporté beaucoup de connaissances scientifiques. Des compétences d'animation aussi sur mes premières années et puis là des connaissances liées à l'analyse vidéo que je ne connaissais pas du tout et que je vais essayer de mettre en pratique après cette année. Donc avec les U10 on est principalement sur du développement personnel des joueurs techniquement. Donc ça va venir avant tout l'aspect tactique qui va être vu sur les catégories au-dessus. Et donc sur la catégorie U15, on est plus sur un aspect tactique lié au positionnement des joueurs sur le terrain. Ça, c'est du changement. Le gros soleil normand, il est rarement là, en étant assez objectif. La pluie, heureusement que la pluie ne me dérange pas trop. Mais sinon, non, c'est une ville qui est agréable et je m'y sens très très bien.